Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Commence à me courir, les bipèdes du rez-de-chaussée. Voyons, Pierre-Édouard, combien de fois devrais-je te répéter que l'on doit placer à droite les silex racloirs et gorchoirs et à gauche les silex racloirs tranchoirs? Bon, à table tout le monde, ça va être froid. Je vous ai fait ma recette de pâtes. Aïe, bon sang! Attention, elles sont al dente. Tu manges pas, URL? Maman, il y a un vrai problème d'alimentation dans notre famille. Tu te rends compte qu'à l'aube du 40e siècle avant Jésus-Christ, on mange encore de la viande grillée à tous les repas? Mais c'est hyper cancérigène. Vous vous êtes jamais posé la question de ce qu'il y avait dans votre assiette? Mais mon chéri, on a des chasseurs-cueilleurs. Et dans chasseurs-cueilleurs, il y a aussi cueilleurs. Je vous ai préparé des boules coco façon homme de Pékin pour le dessert. Tu comprends pas, maman. Là, je te parle d'un choix de civilisation, pas du menu du jour. Oui, enfin, bon, c'est pas comme s'il y avait vraiment une alternative. Mais c'est là où vous êtes à côté de votre époque. Ça fait des décennies que les alter-darwinistes ont développé une alimentation bio et saine. Le bio, c'est pas seulement une question de respect de l'environnement, c'est le respect de son propre corps, tu vois. À force de manger gras et carné tous les soirs, vous allez finir par tomber malade. Ah, alors là, ça me ferait bien rire. Tu as de la fièvre? Tu veux qu'on invente l'aspirine? Tu sais, je me demande si URL n'a pas un peu raison au fond. Les copines de l'école m'ont parlé d'un régime élaboré par un nutritionniste anglo-saxon, la méthode Darwin. Il recommande la diversification alimentaire. On devrait peut-être essayer de goûter un peu au bio pour voir. Cette arnaque pour Bobo Sapiens, jamais! Je sens qu'on va faire un grand saut dans l'évolution avec cette histoire de bio. URL m'a dit que chez Primate Primeur, on pouvait même trouver du tofu de banane. Ah, j'ai pas entendu ce mot depuis l'époque du lycée, la semaine où je suis sorti avec une bonobo végétalière. Grande promo sur la viande chassée du jour! Il est dégraissé, votre mammouth? Tu sais, Blog, aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire que s'ils avaient mangé 5 fruits et légumes par jour, les dinosaures n'auraient jamais disparu. 5 légumes? À ce rythme-là, on va carrément être obligé d'inventer l'agriculture. Tout de suite, les grands mots. Tiens, voilà l'épicier bio dont m'a parlé URL. Mais elles sont magnifiques, ces pommes. La méthode Darwin dit qu'elles sont pleines d'oméga 3. T'as vu le prix? Quand un mammifère se fait plumer, là, il dit quoi, ton Darwin? Je le sens pas, moi, ton épicier bio. Croqué, laissez-vous tenter. On va en prendre une livre, hein, chouchou? On en prend une livre, alors.